tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Toutes les Box. Moi c'est Géraldine de la chaîne Miss Suzette. Si vous avez envie de découvrir mon univers, et eh bien je vous invite à aller dans la barre d'informations, vous retrouverez le lien de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui sur la chaîne de Toutes les Box, on va parler beauté avec la box Glossy Box du mois de juillet. C'est une box dans laquelle vous retrouvez 5 produits iconiques, elle coûte 15,50€ et elle est bien sûr sans engagement. Alors déjà, ce qu'on en parle de ce packaging de ouf, la box du mois de juillet est juste magnifique, regardez ça. Franchement, la boîte, gardez-la après, hein, parce qu'elle est vraiment sublime. Donc ça sent l'été, ça sent la mer, le soleil avec ses petits coquillages. La box est vraiment magnifique, franchement le packaging est très très beau. Donc écoutez, on va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, vous avez à l'intérieur le petit livret avec tous les produits. Je vais pas regarder pour pas me faire spoiler, mais voilà, vous avez vraiment comme un magazine en fait, j'ai envie de dire, c'est super stylé. Donc on va commencer avec le premier produit que je vois ici à l'intérieur. On retrouve à l'intérieur 24 patchs, donc anti-imperfection de la marque. Alors je ne saurais pas trop la prononcer, c'est CosRx, je ne sais pas trop comment ça se prononce, pardon. On est sur un format donc full size. Apparemment donc ils éliminent les boutons pendant le sommeil et ils aident à cibler les bactéries responsables de l'apparition des boutons. Le rêve quoi. Je vous en reparlerai en tout cas sur Instagram, je vais les tester. Mais je suis assez curieuse de voir ben voilà, le résultat, si ça fonctionne vraiment. Donc très jolie découverte pour ce premier produit. Deuxième produit, c'est une brume pour le corps de la marque Aurika. Je vais l'ouvrir pour sentir un petit peu cette odeur parce que apparemment c'est une odeur tropicale comme ça. Alors testons. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est frais, c'est un petit mélange, j'ai l'impression qu'il y a de la noix de coco. C'est frais mais c'est pas entêtant, donc c'est vraiment parfait pour les soirs d'été où vous sortez un petit peu, je sais pas, vous allez au restaurant, vous voulez mettre un petit peu, vous voulez sentir bon sans forcément que ça sente trop fort comme le parfum. Mais écoutez, c'est parfait. Elle est végane, elle est sans alcool et donc elle est à base d'eau. Donc écoutez, c'est une très belle découverte pour l'été. On est sur un format de luxe, donc de 50 ml. Et il faut savoir que ce produit coûte 20,80€ dans le commerce. Donc votre box est déjà rentabilisée avec ce seul produit. Donc ravie en tout cas de ce produit qui va m'accompagner cet été quand le soleil arrivera un jour. Puisque là, j'ai envie de vous dire, il pleut à torrent depuis une semaine en Lorraine. C'est juste déprimant. Ensuite, troisième produit, il s'agit d'un gel nettoyant pour le visage de la marque eCooking. Pareil, je ne connaissais pas cette marque. Donc on est sur un format de 125 ml. Il coûte 14€ donc dans le commerce. Il nettoie le visage mais il nourrit et hydrate également la peau en profondeur grâce donc à l'huile de tournesol qu'il y a à l'intérieur. Et le format pompe est parfait en fait pour vous nettoyer par exemple sous la douche. Moi c'est ce que je fais en général. Donc voilà, encore un très joli produit pour ce mois de juillet. Quatrième produit, il s'agit donc d'un diffuseur de parfum donc sous la douche de la marque Foam Hope. Alors là pour vous prononcer la marque, laissez tomber, je vous remettrai le logo juste ici, ce sera bien mieux. Alors c'est trop mignon parce qu'il est en fait en forme de coquillage. Je n'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite, je vais attendre un petit peu, mais voilà. On est sur une senteur de pomme et de carambole. Je ne connaissais pas la carambole, pour être honnête avec vous. Alors je trouve que c'est une très très bonne idée pour les sessions cocooning comme ça, sous la douche ou dans votre salle de bain, quand vous prenez un bain ou autre. Voilà, avec la vapeur d'eau qu'il va y avoir donc dans votre douche, ça va permettre de diffuser cette senteur en fait. Donc surtout, il le précise bien de ne pas le mettre sous l'eau. Voilà, sinon bah, l'odeur va forcément disparaître. Mais voilà, en tout cas, c'est une très très belle idée. Et ce produit est également vegan, si jamais ça vous intéresse. Et enfin, le dernier produit de cette box, il s'agit d'un bronzer de la marque KNDR Beauty. Donc les bronzers, j'ai envie de vous dire, c'est l'indispensable make-up à avoir pendant la saison de l'été. Il a également de très jolies formes comme ça, le design est très sympa. On a l'impression d'avoir bah, du sable devant nous en fait, avec ses petits reliefs comme ça. C'est également un format full size et moi ce que je fais en général avec le bronzer, en plus de le mettre sur mon visage, j'aime bien de temps en temps le prendre avec un petit pinceau estompeur et je vais venir le mettre au niveau de mes paupières. Donc voilà, c'est aussi un 2 en 1 quand vous partez en vacances. Voilà pour la box Glossy Box du mois de juillet. Écoutez, je suis ravie, plein de jolies choses pour se chouchouter pendant la saison de l'été.
l'été. J'espère que cette box vous a plu. Dites-moi si vous êtes abonné à cette box en commentaire. Si oui, quel produit vous préférez donc dans cette box. En revanche, si vous n'êtes toujours pas abonné à Glossybox, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'informations, je vous remettrai le lien du site si vous souhaitez vous abonner. Moi, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne de toutes les box, c'est ici que ça se passe. Si vous avez envie d'aller voir la dernière vidéo également, je vous la remets juste ici. Et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne et découvrir mon univers, eh bien, ça se passe juste là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!